Good morgen, allez, Iden, je suis aujourd'hui les Lunishmat, Shmuel ben Rabbi Shmuel Zalman, Janine Ruid Bat Fortune, Mazel Fritna, Lachaya Bat Mazel Tov, Lucien Batrina, et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Masechet Gittin, Perigdalet, Mishnachet. Amotsi et Ishto Mishum Ailonit, Rabbi Yehuda Omer, Lo Yachazir, Bachachamim Omrim, Yachazir, Nifset le Acher ve Ayula Banim Hemenu. Veitovat Ktubata, Amar Biuda Omrim la Shtikutich Yafelach Midiburich. Je traduis la Mishnah, vous allez tout comprendre ensuite, Bezrat Hashem, Amotsiat Ishto Mishum Ailonit. Un homme divorce sa femme parce qu'elle est Ailonit. Ailonit, c'est la femme stérile, concrètement. Il y a différentes sortes de Ailonit. Il y a des femmes qui développent des simanim de Ailonit, et on n'en parle pas dans notre Mishnah. C'est celle qui a la voix grasse, elle a sa poitrine plate, on les avait tous évoqués dans Yevamot. Et donc, une femme comme ça, c'est un problème de chromosome aujourd'hui, on sait l'expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Elle n'a que le X, elle n'a pas XX, et du coup, elle est complètement psoula. Ça, c'est une ailonite bien formelle. Là, on n'en parle même pas dans notre Mishnah. Là, on parle d'une femme qui s'est mariée avec une fille qui avait 11 ans, 10 ans, comme c'était fréquent à l'époque. Les années passent, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, elle reste encore avec un corps de petite fille sans se développer. Il la soupçonne d'être une ailonite, du coup, ça lui sert plus à rien. Il a préféré la divorcer, il voulait se marier pour avoir des enfants, elle ne peut pas avoir des enfants, la petite, pour le moment. D'accord? Il n'y a rien à faire, la pauvre, elle ne se développe pas, et lui, il n'a pas envie de rester avec elle. Alors, maintenant, on parle donc qu'il ne sait pas qu'elle est concrètement, est-ce qu'elle est ailonite ou pas. C'est juste que pour le moment, elle traîne à amener ses signes. Chachamim, on dit, écoute-moi, tu divorces une femme pour une cause pareille, sache que quand tu le divorces, alors, Rabbi Yehuda Omer, Loyarzir, tu peux le divorcer, tu ne pourras plus jamais reprendre cette femme-là. Il n'en est plus question. Vous savez pourquoi, bien évidemment. Parce que de peur que tu vas la divorcer, et si tu as le droit de la reprendre, alors, regarde ce qui va se passer. Tu la divorces, et ensuite, elle va partir se marier avec quelqu'un d'autre, et finalement, à l'âge de 29 ans, d'un coup, elle va commencer à tomber enceinte. Et toi, tu vas nous raconter, ah, si j'avais su jamais, je l'aurais divorcée. Donc tu regrettes. Maintenant, la pauvre, elle s'est... Elle a déjà assez souffert de toi. Tu l'as divorcée. Elle a fini par se remarier et trouver quelqu'un qui la voulait. Elle s'est malgré son défaut. Baruch Hashem, elle a eu la bracha, elle commence à avoir un enfant. Merveilleux. Toi, maintenant, tu es en train de nous raconter que tu regrettes son divorce. Et du coup, ça va annuler son guette. Si ça annule son guette, alors l'enfant qu'elle a dans le ventre, c'est un mamzer, parce que réellement, ça reste ta femme. Même si concrètement, d'un point de vue halakhique, c'est des bêtises. Parce que tu ne peux pas annuler un guette avec juste des regrets. On a déjà expliqué dans le cours précédent. Qu'on ne fait pas une action, après on dit je regrette. Si tu fais, tu fais. Tu ne peux pas dire que tu regrettes. D'accord? Sauf dans certains cas très précis, c'est très très compliqué. Dans quelle situation on va tolérer de dire je regrette? Mais la plupart des transactions et des divorces et tout ça, c'est que ce n'est pas de regretter. Mais là, c'est un problème de soupçon. Donc Rabbi Yehuda, il va me dire, écoute-moi, tu divorces une femme. On va instaurer qu'un homme qui divorce sa femme parce que il a soupçonne de stérile, sache que c'est fini, tu ne pourras plus jamais la reprendre. Comme ça, tu réfléchis à 10 fois avant de donner le guette. Est-ce que réellement tu vas la divorcer ou pas? Et tu prends en considération que peut-être un jour, elle va finalement avoir des enfants, et que tu dis malgré tout, je vais la divorcer, comme ça tu ne vas plus nous raconter après que tu regrettes. Ok, c'est la vie de Rabbi Yehuda. On a Chachamim, on a Chachamim qui vont dire une phrase assez compliquée à comprendre, ils vont dire, Yerzir, non, il pourra la reprendre, on n'a pas de problème. Pourquoi c'est compliqué à comprendre? En réalité, sur Chachamim, c'est Rabbi Meir. La Gemara explique. Et ça contredit un petit peu la Mishnah précédente, parce qu'en réalité... Alors d'abord, on va l'expliquer. Pourquoi est-ce que les Chachamim disent qu'ils pourront la reprendre? Parce que Rabbi Meir vient et te dit, écoute-moi, ça n'existe pas que tu nous dis, si j'avais su, je n'aurais pas divorcé. Parce qu'on n'annule pas un guet avec des regrets. On n'annule un guet que si tu poses une condition depuis le début. Si tu n'étais pas entier au moment de la divorcer, alors on va te dire, écoute-moi, cher ami, pourquoi quand tu as donné le guet, tu n'as pas dit, je te divorce à condition que tu aies une réelle stérile? Mais le jour où il va s'avérer qu'en réalité tu n'étais pas stérile, alors tu n'as pas divorcé, tu restes la mienne. On peut faire donner un guet avec condition. Pourquoi tu n'as pas donné un guet avec condition? Alors c'est sûr que tu l'as donné avec conscience pleine que tu la divorces, même si il va s'avérer qu'en réalité elle n'était pas stérile. Tu étais entier. Donc de ce fait, puisqu'on ne craint plus tes regrets, donc dans ce cas-là, tu pourras aussi la reprendre comme n'importe quel homme qui divorce sa femme, il peut aussi reprendre sa femme. C'est vrai, mais la problématique, c'est que ça contredit un petit peu la mission précédente. Sur ça, on a un long Tosfot qui répond, qui rallonge pour expliquer, et que c'est peut-être deux avis différents. D'accord? Et je rentre pas dans la question, ça fait affaire trop, c'est juste que si vous avez vous-même regardé que ça contredisait un petit peu la Mishnah précédente, vous savez que ça a déjà été un sujet qui a été ouvert longuement. Ensuite,
On continue l'histoire de la Elonite. Donc elle a divorcé sa femme parce que elle est à Elonite, il ne pourra plus jamais la reprendre de son Rabbi Yehuda, par exemple. Maintenant, elle se remarie avec quelqu'un d'autre, et à l'âge de 90 ans, Sarah Imenu. Et finalement, elle réussit à avoir un petit enfant. Merveilleux. Elle va aller voir maintenant son premier mari et elle lui dire, écoute-moi, cher ami, sache que quand tu m'as divorcé, d'abord, j'ai oublié d'introduire une halakha pshuta. Un homme qui divorce sa femme parce qu'elle est inapte à avoir des enfants, il doit la divorcer, sans lui donner de ktouba. Il n'a pas besoin de donner la ktouba. Ramim non pas. La raison du décret de la ktouba, c'est pour qu'un homme ne divorce pas sa femme facilement. Là, on a intérêt à ce qu'un homme divorce sa femme si elle ne peut pas avoir d'enfants, parce qu'il faut avoir, il faut accomplir la mitzvah d'avoir des enfants. On n'a pas, en plus de ça, il y a même aussi une part de, je me suis marié avec une femme, avec intention et espoir et d'avoir des enfants, si elle, elle est problématique, je n'ai pas d'intérêt à la garder, c'est, on va pas dire que c'était un mécart taout, oui, concrètement, c'était un mécart taout, c'est ce qui s'est passé, un peu taout, j'espérais, je misais sur une chose finalement, et il s'avère que ça ne remplit pas la condition, j'ai pas d'intérêt à donner un ktouba. Maintenant, la femme, elle se remarie, et après 27 ans, elle apporte un enfant. Alors du coup, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Vito bat ktoubat, elle va voir son frère et dire, écoute-moi là. Tu te rappelles à l'époque tu m'avais marié, tu m'as divorcé parce que j'étais stérile. Voilà mon petit enfant, il est né. Et puisqu'il est né ce petit enfant, donc j'étais pas stérile, donc en fait tu me dois, tu t'es engagé à me payer sous la roupa 100 000 euros, avec frais et intérêts et ajustements. Donc tu me dois aujourd'hui 250 000 euros, s'il te plaît, tiens, tu peux le faire en 24 mensualités. Voilà, comme ça elle lui réclame. Ouais. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle a eu des enfants. Merveilleux, donc elle n'était pas Elonite. Elle va voir son premier mari, Veitovat Ktubata. Et maintenant elle lui dit, vas-y, paye-moi la Ktuba maintenant. Amar Rabbi Yehuda, viens Rabbi Yehuda, elle me dit, attention, Omrim, là on va lui dire, non, reste tranquille, toi, ma petite. Je t'écoute, yafelich midibourich. Il vaut mieux que tu te taises plutôt que tu parles. Ton silence est bien mieux pour toi que ta parole. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en train de dire, oui, tu m'as divorcé, parce que tu me soupçonnais d'Elonite, mais en fait, je ne suis pas Elonite. Dans ce cas-là, j'étais stérile, tu vois bien que je ne suis pas stérile, donc tu me dois à ma ktouba. Hein. Alors sache que tu es en train de te salir, ma cocotte. Parce que là, les gens, ils vont commencer à dire, ah, t'étais pas stérile, donc il a divorcé avec erreur. Donc le gars, il était annulé, donc tes enfants, c'est des mamzerim. Donc on va lui dire, écoute-moi, ne réclame pas ta truc, ne fais pas de bruit. T'as eu un enfant, mazal tov, kol hakavod, bravo, c'est très bien, mais ne fais pas de bruit, ne commence pas à bruiter que dans ce cas-là, il n'avait pas le droit de te divorcer sans te payer, parce que sinon, il va dire, dans ce cas-là, j'avais même pas besoin de te divorcer, donc t'es encore ma femme, donc ton enfant, c'est un mamzer. T'as attendu tellement longtemps, ne salis pas ton fils. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tuv, c'est là.